Capitol. Pour les géographes, c'est un lac de moyenne altitude situé au centre de la Birmanie. Pour les tour opérateurs, un point de passage obligé. Et pour les 200 000 habitants qu'il fait vivre, un immense jardin flottant doublé d'un vivier à poissons. Bienvenue sur le lac Inlet. Sur ses eaux, il y a 450 ans, les Inta, chassés par une guerre tribale, ont trouvé refuge pour y développer ensuite un mode de culture original. Un mélange de vases et d'algues lacustres leur a permis de tisser, au fil des siècles, un vaste réseau de tapis végétal où prospèrent chaque année les tomates les plus prisées du pays. Tan est l'un de ces modestes architectes dont le travail s'étale tout au long des saisons. Si la météo est clémente, il pourra réaliser deux récoltes dans l'année. Mais ici, pas de machine, tout se fait à la main, comme il y a 450 ans. Même geste, même matériel, même technique. ကျွန်တော်ဟိုမြေလေးချင်းမြေဒီကောင်လေးတင်းတယ်ဒီညီတင်တာပေါ့ဒီမြေတင်ဒီပါဆိုရင်စိုက်လို့ရပြီဒါတအားချောင်းစိုက်ဆင်စိုက်လို့မရတဲ့ဦးလေးဒါနောက်တော့ရေထန်းနဲ့နီးတဲ့ဆိုရင်ရေအစုထားကအမြဲတမ်းချီနေတယ်ခင်ဗျားချီဒီပင်လေးကတော့အပင်လေးရေအစုထားအမြဲတမ်းချီနေမှရတယ်စားစားချက်မှတင်လို့ငယ်ရေးခင်းပြီးတော့မှမြေကြီးထည်တယ်မြေကြီးတွေကလေးမှတစ်ဆင့်မြေတွေကအပေါ်ပြန်ပေါက်လာလေပေါ်ရင်
Lessive et toilette se font toujours dans le lac, mais pour la cuisine, il lui faut maintenant aller chercher l'eau au point de collecte d'une source avoisinante, ou bien alors l'acheter en bouteille. Les effets de l'engrais et des pesticides suscitent l'inquiétude pour le lac, mais également chez les hommes qui travaillent généralement sans protection. La fabrication des cigares dont s'acquittent les femmes du foyer ne représente qu'un apport complémentaire aux revenus générés par des tomates vendues un peu moins de 2 euros le kilo. Alors, l'importation des engrais chinois n'est donc pas prête de s'arrêter. Les effets ne touchent pas simplement le village de Tan, mais bien tout le lac, comme ont pu le constater des militants écologistes. La pêche, c'était traditionnellement le deuxième pilier économique du lac. Elle faisait vivre des milliers de familles. Pour agrémenter les plats, frais ou séchés, le poisson assurait ici, depuis des siècles, une base alimentaire vitale et des rentrées d'argent. Mais la ressource s'est amenuisée d'année en année. Kobio appartient au petit peuple des pêcheurs qui, comme de plus en plus de villageois, mènent une vie de paysan quand ils ne relèvent pas ses filets. Des expériences ont bien été menées pour créer des zones interdites à la pêche,
mais sans grand succès jusqu'à présent, car les braconniers n'ont pas respecté ces sanctuaires censés assurer l'avenir des pêcheurs. Le lac n'est évidemment pas devenu un cloaque, mais c'est vrai que les signes d'une détérioration de l'environnement sont désormais bien présents. Normal, quand on sait qu'il n'existe ici ni réseau d'assainissement, ni collecte d'ordures. Conscient du problème, dans un des villages les plus touristiques et donc des plus exposés du site, une poignée de jeunes a pris les choses en main. Là, 6 fois par mois, une petite armée de volontaires ramasse les poubelles. Et voilà maintenant 5 ans que les 490 habitants du village participent à cette initiative citoyenne qui pallie, avec de maigres moyens, mais beaucoup de bonne volonté, l'absence de services publics. L'idée, on la doit à Tintin Yi, une enfant du pays devenue femme d'affaires. Elle possède aujourd'hui 2 hôtels sur le lac et s'est jurée de tout faire pour préserver ce joyau. Now I try to do is a very small things, but I try to do by ourselves and my villagers do. They follow me and then they try to do for the lake. Many countries have a lake and the mountain, but my country, why they come to my country? You know, every country have a lake and the mountain. And maybe they came to my place, to the Inner Lake. They want to know about my culture. Therefore, this lake is very precious, must conserve about my lake. Therefore, I want to learn more and more, and for the Inta people too, they need the information. I want to keep it like that. I want to keep it very beautiful and very precious. My culture and my Inner Lake, I want to keep it. That's the reason I try to make like that volunteer group and I collect the rubbish. Now it's maybe 7, 8 villages, they copy to my group and then they make it the collect the rubbish again. L'histoire est jolie, mais elle s'achève sur une note moins heureuse, puisqu'une fois collectées, les ordures sont jetées sur un îlot flottant qui tient lieu de décharge à ciel ouvert. Sur cette terre à l'abandon, les éboueurs volontaires n'ont pour l'instant d'autre solution que de mettre le feu aux déchets. Ici, l'élan des bonnes intentions se brise sur une autre réalité. Le manque de moyens pour acheter un incinérateur, mais aussi les carences du service public. Cela, en revanche, n'altère en rien la détermination des équipes. I'm so shy about that. I know if you burn there, you got the pollution, but we have no choice. I have no knowledge about how to make the air pollution, how to reduce about the air pollution. I have no idea. But one day, if I got the chance, I want to learn about that. And I try to ask the government, please try to make the land for the collect the rubbish, please.
préserver ce site original, cette culture et ce mode de vie à bien des égards encore très authentique, c'est sans doute la priorité. Car avec l'agriculture et la pêche, l'autre atout majeur du lac, c'est bien sûr le tourisme. Depuis 2011, la fin de la dictature militaire et l'ouverture du pays, le flot de vacanciers étrangers ne cesse d'augmenter. Le balai incessant des bateaux remplis de voyageurs le rappelle en permanence. L'avenir du lac est aujourd'hui intimement associé au tourisme. Les statistiques évoquent le chiffre de 200 à 300 000 visiteurs par an, mais elles ne disent rien des retombées sonnantes et trébuchantes. Une certitude, en revanche, c'est une aubaine pour l'économie locale dans tous les secteurs d'activité. Pas un village qui n'en bénéficie sur le lac ou sur ses berges, là où temples et marchés attirent une clientèle internationale friande de nouveaux horizons et riche en devises. Et pour beaucoup d'habitants des environs, cela a changé leur vie. Before that, I'm not a tourist guide, and also before that, really difficult to get like to tourist guide license. And so I need to go to the Yangon about 3 months. It's accommodation is really, really difficult. But now only I got a license because of the government is trying to do like a station guide, and also they give that a short course for the tourists. That also make me chance to get a tourist walk in the tourism center. That also I'm really happy to do like this. So that means I've seen it is that is great, great. Also not only for the tourism, but also for local people also can get the opportunity by the tourism sector. That is not completely doesn't mean to the hotel is getting job. That also when you want a lot of tourism comes, it will need accommodation like restaurant. The, for the restaurant also they were buying a lot of vegetable in the market. That means and directly support it to the people to buy the things and yes, it is good. If they are the tourists in the Philippines, also people will also get a job like this. Les petits paysans ou les vendeurs de bibelotterie made in China ne sont pas les seuls bénéficiaires. L'artisanat local est lui aussi boosté par l'afflux de voyageurs. C'est particulièrement vrai pour le tissage traditionnel, dont l'activité a connu un second souffle. Au final, ce sont des centaines d'emplois qui ont été préservés ou créés. Sur le lac, on travaille encore à l'ancienne, à la maison ou en atelier. Cela assure un complément appréciable à des familles aux revenus généralement modestes. Mais revers de la médaille, l'afflux de voyageurs modifie aussi le paysage. À commencer par la publicité, qui s'invite trop souvent aux façades des maisons sur pilotis. Les promoteurs immobiliers ont eux aussi flairé la bonne affaire. Même s'il est désormais interdit d'ériger le moindre hôtel sur le lac et sur ses berges, les chantiers se multiplient à Nyangchwe, la plus grande ville du secteur. C'est le point de ralliement pour bon nombre d'agences de tourisme, un gros bourg de province qui pousse depuis 6 ans
sans plan véritablement concerté, un bourg qui enfle très vite, trop vite. Business will decide whether we should continue or we should not, because if there is not much demand and then the supply has to stop. Right now I think we are a little oversupply, and if you look at the rate of the new hotel coming into town, there is less compared to the previous 2 or 3 years. Ce qui ne faiblit pas en revanche, c'est le trafic des bateaux sur le lac. Il y a maintenant près de 3000 embarcations qui le sillonnent du lever au coucher du soleil. Leurs moteurs privés de silencieux troublent en permanence la quiétude des lieux, mais pas l'optimisme des chantiers navals qui enregistrent en ce moment des carnets de commandes pleins à craquer. C'est le cas dans cet atelier qui emploie 17 ouvriers. Les mieux payés, ce sont les scieurs de planches. Les autres, les charpentiers, construisent ensuite un bateau en 4 semaines environ et personne ici ne s'inquiète vraiment pour l'avenir. တနေ့တက်တက်နေ့ပို့ပြီးတော့များတာဒီနေ့ကငါးစီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ကျရင်တော့သူကဆယ်စီးအဲ့လိုမျိုးများတယ်ဟုတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒါဆက်လေးလေးကြတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့အရင်စားလုံးတုန်းကအကွာဝယ်ဓမ္မလည်းများတယ်စီးဓမ္မလည်းများတယ်လူဦးရေကလည်းတအားများတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ကလည်းအမြင်လားလားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အလုပ်ပို့ပြီး
Une étude le confirme, le lac s'embourbe. De 1935 à 2000, il a perdu près du tiers de sa superficie. La faute à la déforestation intensive et au limon, mais la faute aussi à la croissance démographique. Les paysans sont toujours plus nombreux à venir s'installer sur ces berges et les surfaces de jardins flottants s'agrandissent au même rythme, grignotant chaque année un peu plus d'espace. Alors Nueso désespère du futur de son lac Peau de Chagrin. Pour lui, une chose est sûre, l'avenir de ses enfants ne s'écrira pas sur ses rives. Devant la lente mais inéluctable détérioration de l'environnement, le gouvernement birman a-t-il seulement pris conscience du problème ? Oui, bien sûr, répondent les autorités fraîchement installées à la tête du pays. Give us some more time. No? We are just 10 months old in the new government. And we have so many things to accomplish, so many destinations to be improved. And of course, Inle Lake is in a very dangerous situation. This also I know, because I've been living here since 1972. We have to get income as much as possible, as soon as possible. I know that Inle Lake is deteriorating, and we are trying to find some solution quickly, very quickly. Des programmes de protection de l'environnement ont déjà été engagés par l'État, mais ils restent encore très modestes. La Birmanie, qui a porté au pouvoir en mars 2016 le parti du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, manque cruellement de moyens aujourd'hui. Après des décennies de dictature et de pillage des ressources, les priorités sont ailleurs. We encourage the public themselves forming the association and to participate in maintaining and conserving and preserving Inle Lake and to control the conservation of water in the lake and to control the quality of water and then for reforestation such as so many things and all inclusive must participation being encouraged by our government right now. C'est sans doute pourquoi les initiatives citoyennes ou privées restent aujourd'hui le meilleur garant pour l'avenir. L'Inle Heritage Lodge est l'une d'entre elles. Ce petit hôtel posé au milieu du lac abrite aussi un centre de formation où les élèves des environs, mais également du reste du pays, apprennent l'anglais et les métiers de l'hôtellerie. L'établissement qui cultive ses propres légumes prépare de nouvelles générations de professionnels dans une approche délibérément tournée vers la protection des traditions et de l'écosystème. This next 10 or 15 years, this all young people will be, you know, we hope, high position,
they will know what we're doing in the last 10 years. So they can learn in here, they can make it in another place, like the copy. It's mean like how to preserve not only the lake, they can make their life as well. Dans un pays en pleine mutation, l'école parie sur la responsabilisation des jeunes. Because of the tourism that will be developing and our people around here, compare them before, they are start to be more their opening. Because they know they need to take the responsibility of the other for the things. So they start to learning, they try their best a lot. What is something that you want to do? You have not done yet, but you want to do. I haven't become a tour guide yet. We need to train them at the same time because they are not in touch with the foreign people. When they came here, we trained them step by step. So after they finish the school here, they already have confidence themselves. Here we have from the student from different region, different culture, different religions, and different ethnic. So they need to be a team to be here. For that, we need to train them their mindset, their attitudes, everything. Because this place we call the Inle Heritage. So heritage is too meaningful. They need to pass the important things to generation by generation for that we train them here. Les études les plus pessimistes prédisent la disparition du lac d'ici 50 ans, si rien n'est engagé pour établir un plan de sauvegarde à grande échelle, prenant en compte tous les aspects du problème. Les plus optimistes, eux, veulent croire que l'argent du tourisme, bien utilisé, permettrait de sauver ce fragile écosystème. Les autorités provinciales ont déjà construit quelques dizaines de petits lacs de retenue des eaux d'écoulement pour limiter le ravinement des limons. Elles promettent aussi l'installation prochaine d'incinérateurs conformes aux normes de rejet des fumées dans l'atmosphère. Enfin, de leur côté, plusieurs ONG sensibilisent les paysans riverains du lac à une utilisation raisonnée des engrais et des pesticides. Le diagnostic est posé, les remèdes existent, mais désormais, le temps presse.